Hey, bonjour à tous et à toutes, c'est l'équipe de Sol 666 pour l'épisode 8 sur Mafia 3, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, fait amusant. Épisode précédent, je crois que je dis qu'il faut que j'aille me coucher, que je suis fatigué, etc. J'ai regardé un épisode de Luke Cage, il était 4h du matin, je me suis dit tiens, il faudrait peut-être me dormir. Je commence à 11h le lendemain, mon réveil qui sonne, rien à battre, réveillé par le boulot, oui t'as un quart d'heure de retard et tout, qu'est-ce que tu fais, patati patata. Donc voilà, il fallait me coucher plus tôt. Non, c'est tout, c'est amusant. En gros, je terminais en retard à cause d'un épisode de Luke Cage, mais qui est un des meilleurs épisodes de série que j'ai vu de ma vie. L'épisode 4 de la saison 1 de Luke Cage est grave bien fait. Pas forcément d'action, mais une histoire qui est racontée. Excellente histoire qui est racontée dans cet épisode, j'adore. Bref, j'ai froid, j'ai très très froid, j'ai pas de pull. On s'en bat les couilles, frère. Et j'ai une énorme brûlure sur la main, parce que j'ai mis ma main dans l'huile à McDo. Non, j'ai pas vraiment mis ma main dans l'huile, mais... Mais comme je dis, on s'en bat les couilles, frère. Alors, je crois qu'à partir de maintenant, je vais arrêter d'écouter la... Oh non, mais je sais que j'arriverai pas à écouter la radio. Arrêter d'écouter la radio. Parce que j'aime trop la musique. Bonne, 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 bonne. Breaking news in New Bordeaux. Hollis the Pool, the white resident of Southdown, who allegedly killed two colored men in self-defense in front of his home, has been arrested. According to the Pool's defense attorney, alors, moi j'espère que vous allez bien. Pour le moment, l'épisode 1 a un succès de ouf. Je suis à 2600 ou 2700 vues. Ah, vous vous rendez pas compte comme pour moi c'est énorme ce genre de vues sur ma chaîne. Parce que même si j'ai plus de 3000 abonnés, faut bien se rendre compte que. C'est sur quelle chaîne que ça passe, hein? Ah! Alors, faut bien se rendre compte que pour moi, voilà, je fais tellement un contenu diversifié que les gens sélectionnent. Donc avoir autant d'abonnés, c'est énorme. La plupart sont des gens qui ne me connaissent pas d'ailleurs. Ah, donc du coup, il faudra que je fasse bien attention à une certaine chanson des Beach Boys. Quand elle apparaîtra, il faudra absolument que je la fasse passer parce que pour le moment, cette chanson, à elle toute seule, sur l'épisode 2, j'ai eu 7 ou 8 alertes copyright. Toutes sont passées sauf une seule, c'est une chanson des Beach Boys. Qui m'a valu non seulement interdiction de la vidéo en Allemagne, et aussi interdiction des vidéos sur les mobiles. You bet. Nikki sent me. Oh, I'm gonna marry that girl someday. Bear Donnelly. I own Nikki's dad. Everything. He has me keeping an eye on the Robert O. meatpacking plant. Who's running things over there? Not job by the name of Sonny Blue. Let's a room out to the butcher's loan sharks. Protection guys too. If they can't do it there, they put their hurt to people in the street. Any chance Sonny's around the Robidoux? Fuck no. Sonny only comes around to scare his people into shape. But I'm here and one of his boys, a fella named Ralph, got caught skimming. They're working the bloody bastard over in the slaughterhouse to find out where he's got it stashed. Might be beneficial to pull his arse out of the fire. Ah, une mission, type de mission que j'ai jamais eu encore. Watch your ass, Bill. Blue's people are scared of him. Might not talk. Donc, ah bah je dois aller tuer un mec qui est juste là. Protection. Des escouades de choc, bref. Ah oui, alors niveau... Je suis pas top en termes de munitions, mais... Et j'ai combien sur moi? J'ai 1300, bon ça passe pas... Donc on va quand même garder la musique parce que ça fait partie de l'ambiance. Après voilà, au moins deux strikes. Je prends pas de risque, j'arrête tout simplement le let's play. Vraiment, aucune prise de risque. Wow. J'arrive pas à le toucher, je suis à côté à chaque fois. Alors toi par contre t'es mort, voilà, me fais pas chier. Ok, donc toi je vais te sauter sur la gueule parce que tu me saoules. Ah j'ai raté le... Du coup j'ai le droit à l'exécution classique.
Oh, j'ai récupéré toutes les munitions. Mais cette arme est trop cheatée! Vous vous rendez pas compte? L'arme, elle est surpuissante. Elle tue n'importe quel ennemi d'un seul tir en pleine tête. Parce qu'à mon avis, il y a toutes les armes du jeu. Mais voilà, faut pas. Le jeu, quand même, se cherche. Se veut un peu réaliste. Les 15 de tir et une précision tellement élevée que ça en fait un truc surpuissant. Rendez-vous compte! Bon, ça, on s'en fout. Je l'ai juste pris pour le fun. Ah, mais j'ai plus les trucs de. Ah, si, mais c'est pas pareil. Ça grise mon. Moi je vais là. Squad de choc et squad de choc. Elle va voir les squads de choc. Merde, l'informateur il m'a déjà calculé alors que je suis loin. Ah bah c'est une belle mallette d'argent ça. Ah bah oui. Putain il est là. Everybody get up. Petite balle dans le pied, ça les déconcentre toujours hein. Qu'est-ce que ça peut me faire? Pouh! Patate dans la tête! En plus, j'ai pas vendu pour l'argent, il y en a plein ici d'argent. Bah, il m'a fait peur le con. Oh, j'ai un message. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai appris d'intéressant? Mais rien, ah si, putain, ouais, d'accord, il y a des pointes de... Ok, donc en fait, maintenant, je dois récupérer tuer tous les mecs méchants du coin, du Tiekar. Ce que je vais faire, c'est je vais me donner un petit shoot. Hop. Je vais appeler la dame... Stop! Ah bah, tu m'esquives, c'est... Concrètement, ça m'arrange. Même si moi je chante les musiques, même quand elles sont pas à l'écran, on n'est pas donné. Messieurs, bonsoir. C'est bon, détendez-vous. Homme de couleur, et... Bon d'accord, j'avoue que c'est toujours mieux que homme noir. Faites attention, il est pas gentil. Messieurs. Putain, me cassez pas les burnes. Ils me font tellement mal. Pas que je meure. Et on fuit comme un lâche. Comme un lâche, c'est quoi le point le plus proche? C'est derrière moi. Donc, ce qui veut dire que je vais passer par là-bas plutôt. Fuck. À quel point je suis dans la merde si je me mets là? S'il vient dans cette truelle, il est mort. Bon, il est loin. Pour traverser la route. Sans trop de soucis. Par contre, il y a un problème avec la journée, à quel point elle tombe vite dans ce jeu, quoi.
search and return to patrols. Repeat, pursuit is called off. Abandon search and return to patrols. Ça, on dirait tellement du placebo. Bon. Je fais tout le tour pour avoir un Playboy qui est juste... D'ailleurs, ah, je vois un truc. Est-ce que mes Vargas sont perdus définitivement? Ah, ils sont revenus. Parce que hier, j'avais plus aucun Vargas. Ils avaient tous disparu. On va faire ça discrètement, par contre, ce coup-ci. Il y a de la thune quand même à se faire. Voilà. 2005! Ma gueule, toi. Le mec, c'est un... Toi, je te jure, t'appelles les flics, je te bute. Putain, elle fait chier. Bon, c'est bon, je peux fuir. J'ai plus un seul chargeur. J'ai plus qu'un seul chargeur. Moi, je fais mon taf, hein, c'est tout. Ni plus ni moins. Je peux même plus être considéré comme étant suspect, là. Je suis juste noir. S'il vous plaît, appelez pas les flics, je vais juste vous piquer votre dope. Oh putain, je crois qu'elle avait une arme. Ouais, moi je retourne sur le lieu de mon crime. Voir si je peux pas gratter des munitions. Ah, t'es pas encore morte, toi. Je me fais tellement du fric. Je me suis fait quoi, 7000 en 12 minutes? Très jolie voiture. Vraiment. Tiens, je recherche ça. Our business is done. You know how to find me. Oh, ça en a encore un autre. En vrai, ce qui est chiant, c'est que c'est dans la rue, donc je me fais forcément voir si je veux tuer les mecs et si je veux tout détruire. Peut-être que je peux le faire à main nue aussi. Hein. Ça, je sais pas. Non, c'est pas là l'entrée, pardon. C'est là. Cette sorte de QTE chiant, par contre. Bon, par contre, c'est rapide hein, de trouver les... faire assez de... dégâts. Hein. Je peux faire comme ça, c'est peut-être plus discret. Hein. Bon, écoutez, ça me saoule. Vous l'avez cassé vous-même en deux cons. Au moins, il n'y a pas de flic. Attends, j'ai pas envie de les tuer. Oh putain. Vas-y, viens. Viens où je viens te chercher. Je viens te chercher, ok, tu l'as voulu. Je mets la couvert là. Il y a une voiture. Mais quoi? Le mec il a sa voiture comme ça, mais il a le temps de la laisser fermer à clé quoi. Dans quel monde on vit, je vous jure. Thank you.
C'était pas très discret, mais il m'a. Bah, il m'est tombé sur la gueule, hein, littéralement. Ah, on est près du commissariat. Est-ce que c'est vraiment le meilleur endroit pour tuer des gens? C'est là où il y a le. Ah, et comme par hasard, le magazine Playboy est dans l'enceinte du commissariat, sinon c'est pas drôle. C'est juste de l'autre côté de ce mur. Pas de moyen de rentrer. Bon. Qui quoi? Oh, le plaquage, c'est jouissif quand même. Hein. Et bim, je récupère le fric. C'est rien passé. Ah bah oui, je me demandais pourquoi elle est cabossée cette voiture. C'était juste ma voiture en fait. Putain, mais il est vachement rapide. D'habitude, je mets une heure à peu près pour prendre un quartier. Enfin, pour prendre toute une partie d'un quartier, mais là... Oh oui. Oh oui. Ah oui, oui. Oh oui, absolument oui. Oh. Je vais écouter les premières paroles. Donc on est d'accord que c'est bien modifié, hein, pour comment ça s'appelle. Ah là non, là il y a l'air d'avoir un peu de taf à faire. Ça a bien été modifié pour Sons of Anarchy, hein, parce que dans Sons of Anarchy c'est There is a house in Charming Town. They call Rising Sun. Bref. Je chante tellement mal. Ah bah non, bah voilà, enfin la grosse base. Sauf que du coup, je dois l'attaquer deux fois. Bonjour. Oh, y a un gilet pare-balles juste ici, je vais aller le récupérer. I'm so excited. Et lui, so fucked. Ils sont toujours en train de me chercher. Oh putain. Est-ce que je peux enchaîner les deux? T'as l'air surpris. Ouais, je peux enchaîner les deux. Personne ne se doute de rien. Toi, t'as pas l'air vraiment mon ennemi. Peut-être que je vais pas te buter alors. Patate dans ta gueule! Ah non, mais il en a rien à battre en fait. Carrément. Yo! Quelqu'un m'a vu? Les mecs en ont rien à battre! Je suis en train de tuer les types qui les protègent, gardent, je sais pas. Et ils s'en foutent. Oh putain, non. Non, c'est pas le bon côté où tu dois être. C'est pas grave. Ouvre cette porte. Salut! Je viens récupérer l'argent. Tu me gênes. Non, je m'en fous, je veux juste ouvrir la porte, moi. Tout le monde reste bien calme, le premier qui me dénonce, je lui fais le même truc, ok? Il y en a un là par là-bas. Ah mais ils me recherchent en fait, ils savent que je suis là. Ah mais forcément il a vu les cadavres. Coucou! Bim! Petit American History X dans ta gueule. Hein? Est-ce qu'il me voit? Bon, ils m'ont pas capté. Ils me voient à travers les murs mais... À part ça, ça va. Tout à l'étage. Allié ou ennemi? Je peux pas te tuer donc. Neutre, on va dire. Faut que je trouve un endroit pour monter à l'étage en fait. Mais arrête de jouer à Rocky toi! Il y a encore des mecs morts. J'étais. Mais je suis à l'entrée là. Il est où l'étage dans cet endroit? Pardon, excusez-moi, j'ai tiré une balle entre vous deux. C'était pas l'objectif. Non, c'est pas grave. Appelez pas les flics, putain! Allié ou ennemi? Il a pas l'air. J'arrive pas à savoir si les mecs que je vois, je dois les tuer ou pas en fait. Oui, ouais. Oh putain!
T'es pas mort toi? Mais c'est bon, moi je tire pas, sur les mecs qui ont rien fait. Hein. Je tire que sur les types qui méritent de crever. Ça me fait plaisir. Mais non, mais... Faut absolument que je tire la prochaine. Bon, laissez-moi récupérer le fric s'il vous plaît. Y'a grave de la thune là. Putain, j'ai perdu plein de dégâts. Non, ça va en fait, j'ai pas pris tant de dégâts que ça. Je pensais que j'avais pris plus que ça. Oh là là, qu'est-ce qu'on se fait de la... Oh là là, encore du fric. Des reflets de lumière chelou, mais... Ah, y'a un Vargas. Y'a toujours un Vargas dans les planques. Parce que là, du coup, le jeu, il est pas au courant que je prends la planque. Enfin, c'est pas validé comme étant une prise de planque. Donc je suis plutôt tranquille en fait. Oh non. Mais non. Putain. J'ai tout fait. Ah non, il y a un mec que j'avais buté là. Allez, on va prendre la voiture. Je peux sortir quelque part et sauter du toit. Je peux faire ça, je peux. Par là peut-être. Non. C'est lumineux dans cette pièce, dites donc. Je sais pas s'il y a encore des ennemis. Ouais, je récupère des munitions en courant un peu partout. T'sais. Je pouvais rentrer par là. Ah bah oui, c'est où on met le bétail. Tête propagande communiste. Ah bah non, je récupère. Merci. Communisme is freedom. Freedom. Yeah, right. Freedom. Yeah. Je suis bloqué dans cette putain d'usine où on découpe de la viande. Sinon, j'ai chanté Freedom de Rage Against the Machine. Yeah, right. Et en fait, du coup, dans la chanson, moi, il fait Freedom à la fin. Yeah, right. D'ailleurs, c'est une tuerie, hein, ce morceau. Enfin, ce groupe est une tuerie. Notamment le premier album, j'aime beaucoup moins les deux albums suivants. Et la compile. La compile, en même temps, c'est pas une question de l'aimer ou pas l'aimer, c'est une compile. Donc, concrètement, j'aime les morceaux qui datent des premiers albums. Et j'aime moins ceux qui datent des deux autres. Même s'il y a des trucs de ouf hein, dans les deux autres. Hein, par exemple, Boozan Parade. Born of a Broken Man. Guerrilla Radio. Tous ces trucs un peu classiques, mais en vrai, le premier album, il y a 10 morceaux, les 10 c'est de la frappe. Il y en a 10, il y en a 9. Ça c'était quand même la que bombe du troisième album ou du deuxième, je sais plus. Et en fait, à début, la ligne de basse elle est trop bien et après le morceau il est pas terrible. Mais la ligne de base du début, les gars, pff, c'est de la frappe. J'ai jamais pris le temps de l'apprendre parce que pour ceux qui savent pas, je suis bassiste. J'étais bassiste parce que depuis, j'ai vraiment arrêté de jouer à la basse. Et la posture qu'elle a pris. Enfin, Rage Against the Machine, c'est un plaisir à jouer à la basse. Leur bassiste est excellent. Est-ce que vous pouvez arrêter, s'il vous plaît? Territoire ennemi, mais je suis au milieu d'une ruelle, quoi. En fait, ouais, c'est ça. En fait, ils peuvent être autant résistants qu'ils veulent, les mecs. Ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'à partir du moment où je touche la tête, bah, ils meurent. Hein. Bah, arrêtez d'appeler les flics à chaque fois, c'est relou. Bon, d'un coup, j'avoue que là, le aucun témoin. Genre, ça, c'est pas un témoin.
Oh, j'ai 10 000! C'est quoi ça? C'est un petit Playboy en pochette d'album. Oh, je m'en fous. Oh, je sens bien le Playboy là. Propagande communiste. Hey! Ça m'a rajouté de la protection un peu partout. Et il faut finir le travail, hein. C'est une reprise? C'est une reprise? Ah, je me disais bien que ça pouvait pas venir de l'esprit de Dave. Vanina, ah, ah, vanina, ah, 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 ah. Je savais pas que c'était une reprise. Comme quoi, vous savez, on en apprend absolument tous les jours que Dieu fait. Toi. Je peux rentrer dans la petite cabane? Je suis sûr que c'est dans la petite cabane. C'est pas dans la petite cabane. Ah non, c'est là. Je passe à côté, je l'ai même pas vu. Je sais pas, mais on va appeler aussi le mec qui vend des armes. On va changer d'arme. J'ai envie de changer un peu de délire. Show me what you got. Donc, arme de poing, on change pas. Hein. On reste sur le. Parce que concrètement, ça tire moins vite et c'est moins stable. Ça fait juste plus de dégâts. Mais moi, ce que je kiffe en fait dans mon arme, c'est justement ça. Sa haute puissance, on va dire. Donc, ça m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse. Lui, je l'ai déjà, lui, ouais. Donc. Voilà, c'est dans les armes automatiques et c'était bien entendu la Carter M33A. Non, ça c'est une arme à une main. Oui, c'était ça en fait qui m'intéressait. Bigna. On prend un petit AK-47, non? Je suis bien chaud pour un petit AK-47. J'ai les moyens, je sais les moyens pour celle-ci. Concrètement, c'est plus précis, ça tire moins vite, plus grand chargeur, plus stable, moins de dégâts. Ou alors on prend l'automate SG. Je sais pas ce que c'est, on va prendre ça du coup. En fait, c'est ce que j'avais au début, quoi. Ma voiture, elle est où? Mais t'as raison, elle est là. Merci. Ah non, non, c'est pas la mienne, pardon. Je n'ai pas voulu que je la récupère. C'est pas grave, hein. 300 mètres à pied, ça use, ça use. Ah, mais il y en a un juste là. Pourquoi le truc qui me fait aller? Ah, parce qu'il y en a un qui est dans mon dos. Ouais, bien vu. Ok, je vais quand même faire celui qui est juste là. On va essayer la nouvelle arme. Bang! Bang! Je te trouve et je te bute! Bang! Ah! Les exécutions ne coûtent pas de balles. C'est intéressant de le savoir. Bah voilà, c'est mieux qu'un vrai fusil. Parce que du coup, je suis grave puissant et je one-shot. Et je vole les voitures détruites. Je sais pas si c'était vraiment leur voiture, mais. Ça, par contre, j'aime pas. Propagande communiste! Communiste! Oh, c'est trop classe, c'est poussé Spoutnik. Bon, les mecs là-bas, je vais monter les voir, je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. Quoique finalement, je disais que ça allait vite, mais en fait, ça va pas si vite que ça. J'ai débloqué l'accès à la mission assez vite. Oh, petit problème de physique. Bon, on va récupérer tous les trucs que j'ai à récupérer, sinon ça va être... Bon, on va faire à pied parce que sinon ça va encore plus me saouler.
le pont est pas fini, on peut pas encore y aller en fait. Ça c'est de la propagande communiste encore. Eh oui. Bah moi ce matin j'ai oublié de me le sortir du cul du lit. En fait il dit je me traîne le cul hors du lit tous les matins pour aller bosser. Bah moi ce matin j'ai oublié. Enfin j'ai pas oublié, en fait mon réveil a sonné et j'ai fait une erreur. C'est une erreur stratégique, j'ai pris le mauvais réveil. J'ai mis le morceau de piano de Bioshock. Ça s'appelle Cohen's Schism, je crois. Enfin bref, c'est le morceau de piano de Bioshock que joue Fitzpatrick avant de se faire assassiner par Cohen. Bref, c'est super calme et du coup ça m'a rendormi direct. Donc je pense que la prochaine fois je vais mettre du Metallica. Metallica ça marche bien plutôt. Je commence, ça fait tant. Excusez-moi madame, vous êtes vraiment une grosse dégueulasse. Oh, il est trop classe. Alors ça, ce qu'elle a fait, ça s'appelle du light painting. Pour faire ceci, en fait, il faut savoir qu'une photo... On peut pas le faire avec une photo. On peut le faire avec une photo argentique. Je sais pas. Une photo en fait numérique sur argentique, je sais pas. En fait, ça laisse la lumière atterrir sur un capteur numérique. Je pense que du coup, on peut le faire avec l'argentique aussi. Et tout ce que la lumière fera de pendant ce capteur va être imprégné. Donc, vous mettez dans une pièce assez sombre et vous laissez le temps d'exposition à la lumière hyper longtemps. Puis vous pouvez faire un dessin avec une lumière très vive et ça va garder en mémoire le dessin fait. Voilà, c'est. Il y a un peu trop de monde. On va peut-être pas y aller trop discret. On va juste tuer le premier. Là. What? Mais ça tire hyper vite. J'avais pas ça au début du jeu aussi. Ah mais ça va me coûter grave cher en munitions. Ça tire vachement trop vite. Des gaz encore et pourtant j'ai pas bu de coca ce soir. Attention là et... Mais non mais je viens de tuer deux mecs. Trois mecs dont un que j'ai massacré mais vraiment. Et j'ai vidé un chargeur sur deux autres types. Ils appellent pas les flics. Les flics. Mais là ils les appellent. De toute façon je m'en fous, je suis en dehors de la zone. Ah mais donc du coup, je comprends parce que déjà le truc n'a que la moitié, tu vois, il y a que la moitié qui est signalée et ça te paraît louche. J'ai juste récupéré ça, en fait, comme si j'étais pas là. C'est bon, laisse-moi tranquille, je suis juste noir. À cette époque, ça devrait impressionner personne que je fasse ça, enfin, époque de merde. Ça passe. J'aime pas cette radio. Bonjour, je viens pour tuer le grand patron de la zone. Quoi qu'en même temps, là, il faut que je tue le mec de l'abattoir, puis après que je tue le grand patron, donc. Ouh ! Ça a craqué. Keeping his people more scared of him than you. We'll see about that. Keep your head down till this is over, hear? Mm-hmm. Ok. Oh putain, oui, c'est là. Ah, les flics, ils sont toujours en train de me chercher, hein. C'est vraiment des tocards. Hein. Dans ce jeu, ils sont au top, hein. Attendez, si je peux pas rentrer, hein. Le jeu est bien fait, hein. Bah oui, j'ai le temps de me barrer d'ici là, bande de cons. Petit solo d'orgue.
Allow me to introduce myself. I'm a man of will and taste. I've been around for long, long years. So many years. Je connais pas non plus toutes les Paul Parker, c'est un peu compliqué comme. C'est pas si simple que ça, les Rolling Stones, hein, vous voyez. Je veux dire, ça va plutôt vite. Et les productions de l'époque font en sorte qu'on entende vachement moins les voix par rapport aux instruments. Par exemple, quand j'écoute Nine Inch Nails, qui est mon groupe préféré, un de mes groupes préférés, c'est un peu dur à déterminer comme ça, spontanément. Mais quand j'écoute Nine Inch Nails, vous voyez, je vois à peu près tout de suite comment ça va se passer. Alors, vous voyez ce que je veux dire ? Genre vraiment, ça va lentement, on n'entend pas trop les instruments au-dessus de la... Toi t'es mort, est-ce que je peux tuer ton pote aussi pendant qu'il est choqué ? Voilà. Bref, c'est comme ça que j'entrevois Nine Inch Nails. Comme étant un des meilleurs groupes de tous les temps, mais ce n'est pas que la question. C'est pas vraiment un groupe, mais c'est pas grave. Je vais pas débattre sur Nine Inch Nails pendant des heures, parce que Nine Inch Nails... Mais toi t'es déjà pas fait tabasser tout à l'heure. Ah mais t'es mort ! D'accord. Bon, écoutez, je pense que ça sert à rien d'essayer d'être discret. J'ai une arme à essayer. Bang! Bang! C'est rigolo. On a pas assez de balles, hein. C'est le seul problème. Hein. Ferme ta putain de gueule. Et toi là-bas? T'as été sauvé par un putain de muret, tu sais pas ta chance. Quoi, t'as pas compris? Bang! J'adore cette animation, elle déchire. Plus j'ai récupéré tout le fric, j'ai plus qu'à aller à l'endroit où il y a les escaliers. I believe I can fly. Ils sont là, ouais. Bon, on va peut-être se reprendre le petit fusil d'assaut qui fait bien mal à la gueule. Je suis là. Mais personne m'a vu! C'est impossible de m'avoir vu. Le seul qui m'a vu, il est. Ah non, c'est peut-être toi qui m'as vu. Don't you know this time? Oh putain, mec! Il y a un téléphone ici? T'as rêvé, toi? J'ai que 9 balles, cette arme est trop bien, mais tu peux pas l'avoir pendant longtemps en fait. Oh, c'est le patron, je vais peut-être pas le tuer. Ok, j'arrive. Même pas j'utilise un flingue contre toi. Il va même pas me voir venir. You cannot see me coming! Je vais me prendre peut-être une chevrotine et encore. J'aurais tellement voulu lui patater la tronche. Alors toi, tu vas arrêter tes conneries directes et tu vas me donner de l'argent. You could be the Bratwurst King in New Bordeaux if you work for me. How's that sound, Sonny? Sure. I kinda like working here anyway. Good. Burke's boys are gonna reach out. Et là, en fait, c'est le moment. Je vois pas l'intérêt de la somme, mais c'est genre, ok, je vais être sûr que tu vas pas me planter un couteau dans le dos. Mais rien te dit que si le mec tu l'embauches, tu plantes pas un couteau dans le dos après. Oh, tu me diras, il le fera pas moi concrètement parce que j'aurais plus rien à voir avec lui en fait. Pas con. Pas con. Donc le classique 64 000. Hein. Slaughterhouse is clear. Send your people. Bah, après Findus qui fait des steaks. Après les steaks de cheval Findus, enfin les lasagnes au cheval Findus. Quel scandale quand même. Ça m'a fait rire. En fait, moi ce qui me choque, c'est pas le fait de manger avec les gens et manger du cheval, ça je m'en bats un peu les couilles. En vrai, non, ce qui me choque, moi c'est le fait qu'ils aient menti sur la boîte. Mais concrètement, ce scandale était hilarant. Hilarant. How did Lincoln Clay convince Thomas Burke, Vito Scaletta, and the woman known as Cassandra to work together? He called a sit-down. He told them to meet him at an old plantation house in the bayou. When he had them all in the same room, he laid out how they were going to take down Marcano. Lincoln could be very persuasive.
Mais attends, on n'y est pas encore. Avant, il faut que je... Voilà, que je retourne à Harrons on Metal. Enfin, un peu. Belle mentalité, j'aime bien. Alors par contre, juste avant, les gars. C'est avec ça que je peux voir les flics à proximité ? Non, faut que ça passe. Oh, ça passe quand même. Ah, par contre, tourner en freinant, ça c'est un mauvais réflexe que j'ai des jeux de l'époque. Mais maintenant, c'est... En réalité, ça ne marche pas. Il faut freiner avant de tourner. Connard. Sinon, les roues se bloquent, c'est connu. Ça sert à rien que j'essaie de prendre des raccourcis. Bon. Niveau munitions, je suis pas terrible. Oh, j'ai même plus d'armes à droite. Ah, si, d'accord, je vais pas m'en servir en fait là-dedans. Ok. On est tipard. On va se faire le boucher. What's this all about? Getting ready for some company. Barbieri should be here any minute now. Barbieri's coming here. So he claims. Never known a man to be a liar. I just got off the phone with him. I told him if he wanted to settle up, he'd be here waiting. For fuck's sake, Burke, you don't ever tell your enemy when and where you're gonna set up the ambush. Christ, you're much too serious about all this. It takes the fun out of it. Besides, what's the worst that could happen? You could get us all killed. Aye, that I could. It's all right. This is Nicky. Butcher and his boys are right behind me. You sure? If there's one benefit to being your miserable dot, it's I know what a posse of Dago assholes out for blood looks like. I'll call cet accent. Light on the water tower. I'll load up some barrels with a special petrol mixer cooked up. Scatter them across the yard. A bullet will take them out. So don't be close to them when they blow. I'm gonna snipe those guinea fucks from the crane. You? Oh, un Carcano. Non, c'est même pas, c'est un SVT 40. Tant pour moi. One last thing. You try to cut and run, I'll plant you myself. We clear? I'll see you when this is done. You might. Ouais. Donnez-moi un snipe par contre. Putain, c'est les mêmes balles. Ah, pourquoi moi j'ai pas le SVT? À gauche? À gauche? Tu parlais à moi? Ou à ton père? Ah non, à moi. Laisse-les bien approcher. Bang bang! Firefly! Ah non, mais si je pouvais tirer sur mes cibles. Mais te pointe pas devant, t'es relou. Ah, grave. Touché. Hey, tu casses pas ma couverture, toi. Quoi? Il y en a un qui va grimper par là. Et grimpe. Sinon t'es une cible trop facile. À mon goût, ça manque un peu de puissance quand même. Quelle mauvaise idée.
2 balles pour tuer un mec, c'est quand même un peu beaucoup, hein, moi je trouve. Et le mec il rampe encore. Hein. About Burke's little pet Niglet. I want the Mick alive. Got it? I'm gonna give him an ass fucking. He's never gonna fucking forget. Bring him back fucking alive, that cocksucker. C'est quoi? T'as un bouton, mec? Tu devrais le faire soigner. Le boucher, tu parles? Pourquoi tu restes à couvert? Tu vises bien, gros. Quoi? J'ai grave attendu pour avoir le tir parfait. J'ai qu'une balle. On l'a remet pour le boucher. Bon, on oublie le boucher. Je vais récupérer ça. Et on va aller chercher notre proie comme tout bon chasseur. J'ai plus de balles. Oh mais oui, j'ai dit que c'était les mêmes balles. Bon, bah, on va la chercher avec ça. Hein. J'ai que 5 balles pour mon pistolet. Oh putain. Drogue toi vite. Merci. Ah oh, putain, sniper. On faisait ça à boîte de hell toi même. Je fais rien d'exceptionnel hein. À part survivre. Et il fait tellement mal le mec avec son AK-47. Waouh. Oh fuck, 8 balles. Oh fuck, il y en a un autre là. Merci Burke pour le coup là. Et il y a une automate SG par terre. Ah non, Hartman 30, pardon. C'est la même arme mais sauf qu'elle est en version en version non automatique. En gros c'est un main garant, une carabine et main quoi. What can I say? Brave new world. Shall I then? I see the legs still giving you fits, huh, fucko? Ah, fuck you. You won't be so cocky once I take the acetylene to you. Fuck you! What do you think happens next, huh? You're gonna die, motherfucker. You're gonna hold next to me. You, your whole organization. You're gonna suck my dick in hell. You alright? Grab his legs. Time to get him into the garage. We were never able to reconstruct precisely what happened to Barbieri, primarily because his body wasn't found until the mid-1980s. The Army Corps of Engineers was dredging the bottom of the Mississippi River, and his remains were found in the trunk of an old car. Both legs were broken so many times there was barely any bone left. Oh, j'espère qu'on aura des images. Ah non. Il me restait encore une dose. Cool, j'ai débloqué une nouvelle bagnole. Parce que moi je récupère un peu les munitions qui restent sur le terrain. Ah bah j'ai déjà récupéré celle-ci. Ok. Donc. Waouh, c'est quoi ce délire? Depuis quand il y a des couleurs? Ah si, il y a toujours eu des couleurs. Ok, il y a toujours eu des couleurs. Faut que j'aille voir Burke à la distillerie. Ah mais il y a toujours, mais ça oui, ça a toujours été d'aller. Oui, d'accord. Oh merde, c'est à l'intérieur. J'irais bien récupérer une deuxième dose gratuite quand même. Petit ok. Welcome to me humble Garth.
Je t'emmerde. Je viens juste récupérer ta drogue. C'est pas à l'intérieur? C'est pas à l'intérieur? C'était dehors? Le mec, il a des moteurs posés de chez lui. Tranquille. Je te prends ça, ça me fait plaisir. Ah putain, mais en fait, la part, faut que j'aille la récupérer moi-même. Puis vous vous foutez de ma gueule. Et là... Non, bah c'est pas grave, hein, je peux aller me faire voir. Ok, j'ai compris. Clairement, c'était plutôt facile. On va juste appeler notre ami, le dealer d'armes. Le dealer d'armes, je précise. Et après, on va appeler une voiture. Du coup, j'ai débloqué une nouvelle bagnole. C'est celle-là, je crois. Ah oui, c'était celle dans laquelle le mec est arrivé. Et on va prendre... C'était la Stallion ou la Sitter que j'ai essayé à l'arbre. Ah bah c'est celle que j'ai vue. Ah non, c'est pas celle que j'ai vue en disant, elle est vachement belle. Ah non, c'est la fin du morceau. Ah oui, la distillerie. J'ai confondu la distillerie avec l'abattoir. Ça n'a rien à voir. Tu chantes bien. Pourquoi t'es bourré? Pain in black. Ça me prend des fois. That's for you. Show up like Lazarus himself. Name thinking of myself. This chalky bastard is either one of the luckiest sons of bitches that's ever lived, or the kind of man that invites rotten. Damn luck. So goddamn sure it was the latter. I have to admit, I was wrong about you. You can thank me by calling me by my name. Die. Thinking it is then. Funny. Things get taken from us. Convince ourselves we'd go out and inflict pain on someone else. A little mend what's busted up inside of us. But it doesn't. Does. No. It done. Spent my entire goddamn life scratching and clawing at anyone who came along. Even if they were there to help. Look where it fucking got me. It's the sense of changing. Only way is forward. Now that Irish Point is back under your control,
need you to bring in as much money as you can. Going after Marcano ain't gonna be cheap. And imagine you'll be wanting your cut of the proceeds. That's right. Can't say I'm a fan of someone looming over me. The deal's a deal. I asked Nikki to manage those moonshine runs, but she can't bring them all on her own. That liquor hauls in a fair amount. We'll talk to her. She's around here somewhere if she ain't out quail hunting. Quail ain't in season. Oh, for her kind, it's always in season. Yeah. Oh. You'll excuse me. I was going to see Mr. Barbieri. He's probably getting a little lonely. Lonely. En fait, ça m'a fait rire quand il a dit move forward parce que comment dans c'est encore enfin c'est une expression récurrente dans comment ça s'appelle Luke Cage, voilà, c'est ça que je veux dire. On va reprendre la mienne. Va sort. Et la réunion, ça sera dans le prochain épisode. De toute façon, elle nous a été teasée par notre ami Donovan. C'est dans le bayou, en effet. D'ailleurs, c'est pas du tout où je pensais que ça pouvait être dans le bayou. Moi, j'aurais bien vu un truc en plein milieu des marais. Mais non, c'est un peu à côté. Je vous dis à la prochaine. J'espère que cet épisode, un poil plus court, de 2 minutes à peu près sur mon temps habituel, vous a plu. C'était le temps de. En fait, voilà, au début, à un moment. Au bout de 20 minutes, j'ai dit « Ah, mais je vais le faire vachement vite !» Et non, il y a eu plein de trucs qui se sont rajoutés. C'est vrai qu'à la fin, n'empêche, on enchaîne un boss, une prise de planque, plus une mission spécifique. Et voilà, il n'y a pas assez de missions spécifiques comme ça dans le jeu. Quand même, la plupart du temps, c'est juste attaquer des bases ou quelques mecs qui se baladent dans la rue. En tout cas, je vous dis à la prochaine, et salut à tous !